Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Denorshare. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra de bien manipuler son iPhone et donc de savoir comment faire en sorte de forcer le redémarrage de l'iPhone, de se mettre en mode recovery, de se mettre également en mode DFU et ainsi de suite. Vous allez voir évidemment, il n'y a rien de compliqué et ça marche pour toutes les gammes d'iPhone 13. Donc ça peut être le normal, le pro, le mini, le Pro Max, et vraiment il n'y a aucun problème par rapport à ça. Commençons tout de suite par la première partie qui vous permettra de forcer le redémarrage de votre iPhone 13. Pour cela, il vous suffira simplement de faire une petite manipulation qui va consister à appuyer une fois sur le bouton du volume du haut, ensuite une fois sur le bouton du volume du bas, et ensuite vous allez rester appuyé sur le bouton à droite pour éteindre et allumer le téléphone. De cette manière, vous allez voir que votre iPhone va s'éteindre et ensuite vous allez continuer à bien rester appuyé sur le bouton de la droite pour éteindre le téléphone. Ne le relâchez surtout pas jusqu'à voir le logo Apple, et à ce moment vous aurez bien réussi à forcer le redémarrage de votre iPhone. Désormais, pour la deuxième partie qui vous permettra de vous mettre en mode recovery, c'est plus ou moins pareil, sauf que cette fois-ci vous allez devoir connecter au préalable votre iPhone 13 directement à un PC via un câble USB. Lorsque vous l'aurez bien fait, vous allez refaire exactement la même manipulation, c'est-à-dire appuyer une fois sur le bouton du volume du haut, ensuite une fois sur le bouton du volume du bas, et ensuite vous allez appuyer sur le bouton pour allumer et éteindre le téléphone, sauf que cette fois-ci, au moment précis où vous allez voir le logo Apple, vous allez voir que vous serez directement en mode recovery. Ensuite, sur le PC, vous aurez évidemment sur iTunes un message qui vous proposera de mettre à jour votre iPhone 13, ou alors sinon de le restaurer. Ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire de votre côté, mais sachez aussi que vous avez une solution beaucoup plus simple pour vous mettre en mode recovery, qui est l'utilisation de Denorshare Reboot. Et vous allez voir évidemment que devant vous, vous aurez deux boutons, un qui vous permettra d'entrer en mode recovery et un deuxième qui vous permettra évidemment d'en sortir. Et en seulement un clic, vous allez pouvoir entrer et sortir. Vraiment, vous allez voir, c'est super simple. Mais aussi, si vous avez peut-être fait la première manipulation et que vous souhaitez quitter le mode recovery, il vous suffit simplement de bien rester appuyé sur le bouton pour rallumer le téléphone, et ensuite il va bien se rallumer sans aucun problème. Enfin, pour la dernière partie qui vous permettra cette fois-ci de vous mettre en mode DFU, la manipulation est un petit peu plus complexe, mais je vous rassure maintenant, lorsque vous l'aurez fait une première fois, tout deviendra super simple. La manipulation est la suivante. Cette fois-ci, vous allez appuyer une fois sur le bouton du volume du haut, ensuite une fois sur le bouton du volume du bas, ensuite vous allez faire comme ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire rester appuyé sur le bouton pour allumer et éteindre le téléphone pendant 10 secondes. Vous allez vraiment les compter, et ensuite lorsque les 10 secondes seront bien écoulées, vous allez continuer à rester appuyé sur ce bouton en y ajoutant cette fois-ci le bouton du volume du bas. Et ensuite, au moment où vous allez bien appuyer simultanément sur les deux boutons pendant 5 secondes, lorsque les 5 secondes seront bien écoulées, vous allez relâcher le bouton qui est à droite pour allumer et éteindre le téléphone et continuer 10 secondes supplémentaires sur le bouton du volume du bas. Et ainsi, de cette manière, vous serez bien en mode DFU, l'écran de l'iPhone va rester noir. Néanmoins, en ce qui va concerner votre PC et iTunes, vous aurez un message qui vous dira qu'il y a eu un petit problème, et dans ce cas-là, c'est que vous serez bien en mode DFU. Voilà, désormais vous savez complètement comment manipuler votre iPhone 13 pour le mettre en mode recovery, pour forcer le redémarrage, ou encore sinon pour vous mettre en mode DFU. J'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir. Et moi maintenant, je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.